27 décembre, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une belle journée. Comment était le Boxing Day hier? Avez-vous euh, fait ça? De quoi que je vais parler aujourd'hui? Oh les pires groupes sur Facebook. Oui, oui, il y a des groupes sur Facebook. Chat GPT, c'est vraiment la découverte de l'année, selon moi, au point de vue euh, logiciel. Euh, Montréal et le végétarisme, on a parlé de tout ça. De Beast, euh, les SPAC en finance, un paquet d'affaires. Hey, bonjour tout le monde. Hein? Et plus voici l'énigme du jour. Eh bien, l'énigme du jour. Euh, le 27 décembre de cette année-là, il a tombé à Montréal 37,8 cm de neige. Ça a été battu en 2005. Quelle est cette année? Je vais vous donner deux indices. Francine Raymond chante une chanson avec l'année là-dedans et euh, le Summer of. Bon, là, je pense que vous le savez. Là, hein? Je suis gentil, c'est le temps des fêtes. On ne va pas se casser trois temps. Oui, mais c'est parce que quand je l'écoute, c'est trop compliqué. Hein? Mais non, il faut que ça soit simple. <tousse> mes cheveux, mes cheveux, mes cheveux. On va peut-être coupé en 2023. Je ne le sais pas, peut-être. Eh bien, eh bien, quels sont les pires groupes pour une mère pour aller euh, chercher du réconfort? Les groupes de mères sur Facebook. Une étude est sortie que c'est les pires groupes pour créer de l'anxiété. Puis, Bon, tous tes nouveaux parents, là, on a besoin de conseils. Il y a toujours quelqu'un, moi, il ne le prend pas comme ça, puis il l'allait pas comme ça, puis tes seins sont pas comme ça, puis t'as as un sein comme ça, puis ton lait, tu ne ah, pas, tu te deviens fou, hein? euh, déjà que tu es nouveau parent. Et je me souviens, euh, <coughs> à mon deuxième, Alexis, j'avais un peu d'expérience, je t'ai sacré tout le monde dehors. Tout le monde dehors! Hein? Ben, euh, les groupes de mères sur Facebook sont les pires groupes créés de l'anxiété, parce qu'il y a toujours une mère qui en connaît plus que l'autre, qui fait sentir l'autre coupable alors qu'eux, ils se lèvent la nuit. Qu'est-ce que je fais avec mon bébé? Hein? Maudite épaisse? Ouais. Fait que, euh, n'allez pas là. C'est ce que euh, les études, les, les, les spécialistes recommandent. Va pas perdre ton temps sur ces groupes-là. C'est les pires pour te créer de l'anxiété. Hein? Alors que tu cherches du réconfort. Viens donc sur ma page, venez jaser. Je suis toujours disponible, moi. Hein? Toujours, 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 toujours. Ben oui, je suis pas de mère, mais je suis un père. Hein? 50 des Français vont. On a cadeau Il y a. Euh, de, ben, on est le 27, donc le 25. Il y a un record d'inscription sur eBay et sur Etsy, puis tous les sites de revente. Euh, Etsy n'est pas un site de revente. Oui, OK. Oui, oui. Et euh, même eBay, euh, pour encourager les gens à, de, à venir inscrire leur affaire, ils donnent un dollar, une, une cause. <laughs> Hey, achetez-le du chocolat, achetez-le du popcorn, faites de quoi? Des savons, là. Je ne veux pas voir mes savons sur eBay. Si vous voyez un de mes savons sur eBay, vous me le direz. <laughs> non, non, mais tu sais, je serais rendu big. T'sais. En 2022, c'est quoi ton highlight? Euh, les gens ont donné mes cadeaux en. en mes produits en cadeau, puis revendus sur les grandes plateformes. Donc, euh, je serais big. Hein? Je serais big. Ben oui, les gens redonnent leurs cadeaux. C'est pour ça qu'il faut acheter des cartes cadeaux. D'ailleurs, on en a des cartes cadeaux. Ou acheter quelque chose vraiment significatif. Hein? Comme, donner de l'argent, vous allez voir, ils ne l'échangeront pas. C'est quand même assez euh, représentant. Re, ça représente bien la société dans laquelle on vit. Hein? Les gens nous achètent des choses pour nous acheter quelque chose. Et à la fin, ils ne veulent pas y revendre. Moi, je serais insultant, tabarnouche quand même, que donner un cadeau à quelqu'un puis le revendre après. Le papa, après l'avoir lu, là, mettons un livre. Non, non, tout de suite, n'y a pas que la POC. Hein? Hey, chat GPT, je vous le montre souvent, puis on va prendre une gorgée de café en attendant. Hein? Hmm. Si jamais tu veux apprendre à coder, hein? moi, je suis un codeur, j'ai écrit beaucoup de codes dans ma vie, j'ai gagné ma vie comme programmeur, et j'écris en langage C. Mais si jamais tu ne connais pas le langage C et tu veux l'apprendre, tu peux demander. Euh, comment afficher, peux tu sais, peux-tu donner le code en langage C pour faire Hello World? Ok, puis là, je peux dire maintenant, quelle est la ligne pour compiler? Maintenant, comment? Je peux compiler ce code. Un segment C, vous avez besoin d'un compilateur. GCC, bon, vous le dites tout de suite, moi j'étais à l'avant. Hein? GCC, vous voyez, hein? je connais ça. hein? GCC-C. Voici comment compiler un programme C sur la Linux ou Mac OS. Ouvrez un terminal. Il vous dit tout de quoi faire. Hein? Il vous dit tout de quoi faire. Et là, GCC, nom du fichier, moins O, pour donner le nom du fichier à la fin, hein? Donc, écris un Hello World, euh, comme ça, hein? Include, puis il dit quoi faire en plus, hein? C'est vraiment, euh on vient de. de, 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 de L'intelligence artificielle, je pense qu'en 2022, avec l'aide de ça, euh, ben là, il va trop loin, non? On, va, on va arrêter. Il dit tout de quoi faire. Euh, mais vraiment, on a frappé un nouveau. Enfin, on trouve de quoi, quoi faire avec. On a parlé du méta en 2022, le métaverse, mais ce qu'on veut, c'est de l'information. Et là, on en a. Tu peux apprendre un paquet d'affaires. D'ailleurs, ils ont testé un examen pour le barreau. Et euh, Chat GPT passe l'examen pour le barreau. <laughs> Il passe l'examen pour le barreau. Ben oui, hein? Donc tu peux apprendre à coder, tu peux apprendre beaucoup d'affaires et honnêtement, je commence à l'utiliser de plus en plus pour lui demander des questions ou élaborer des choses pour préparer le show. Là. Mais vraiment intéressant. En ce moment, je m'en sers plus comme Alexa, veux-tu baisser le son? C'est des niaiseries. Là. Mais là, de, tranquillement, on peut voir qu'on peut l'utiliser de plus en plus. Et enfin, l'intelligence artificielle sert tranquillement à quelque chose, à avoir un langage avec quelqu'un. Hein? Donc, euh, si tu te sens seul, va pas là. Hein? Si tu te sens seul, texte à quelqu'un. Il, il y a des gens. C'est le temps des fêtes. Hein? Puis des fois, ce n'est pas toujours facile pour les gens, les gens seuls euh, dans le temps des fêtes. Euh, regardez, moi, j'avais une fête puis je me sentais mal parce que mon fils, plus, le plus jeune, il était tout seul le 24. Mais il n'y a pas assez longtemps, il était avec son ami jusqu'à 10 heures le soir, puis le lendemain, il est retourné, jouer vois hockey avec. Mais c'est juste ça, ce moment, ces moments-là. Qu'on laisse nos, euh, notre famille seule, c'est différent. Donc, euh, allez pas là pour euh, chercher de la solitude. Là. Euh, allez chercher du réconfort. Là. Je ne pense pas qu'il va t'en offrir. Mais c'est quand même un outil franchement fantastique qu'on a découvert à la fin euh, de l'année. Donc, euh, là, hein? Ayo Yuki, quand tu embauches quelqu'un, on est rendu là. Hein? Le wokisme là, a toute sa place. Mettons, tu embauches François Lambert, un homme blanc de 55 ans, hein? Donc, euh, ben je suis comme correct, parce que là, je, je peux me marquer dans la partie âgisme, hein? mais euh, je ne me sens tellement pas 55 ans, ça n'a pas de sens. <laughs> mais quand tu embauches une personne blanche, tu te fais questionner, pourquoi? Pourquoi tu l'embaucher, lui? Pourquoi tu l'as Vraiment, on est rendu là maintenant, de questionner pourquoi qu on embauche euh, des gens blancs maintenant. Non seulement, t'sais, 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 on veut donner la favoritisme, aux, aux minorités et toute la patente, là. Mais là, c'est rendu que ça va plus loin. C'est que tu dois te justifier d'embaucher une personne blanche maintenant. On est rendu là. Et hein? hey, c'est la fête aux gens. Hein? Y a-tu des gens parmi vous? parmi, euh, parmi vous euh... un peu. Les gens. Les gens. Jean, gens. Euh, comme... Salut, Jean. Comment ça va, Jean? Ben c'est ça. Hein? Euh... Bon, c'est pas le prénom le plus populaire. Euh, nombre total de garçons depuis 1980, 1541. En 1982, il y a eu plus de gens. C'est à cause de gens chrétiens. <laughs> depuis 10 ans, il y a seulement eu 80 gens au Québec. Hein? Donc, euh, c'est en déclin. Seulement 5 en 2021. On n'a pas encore les chiffres de 2022. Fait que, bonne fête, Jean. Bonne fête, Jean. Hein? Pas comme Kevin. Bonne fête, Kevin, on t'aime, hein, mon Kevin? <laughs> Au Québec. Eh bien, on cherchait Sophie Brochu. Hein, depuis que Fitzgibbon est là, on la cherchait partout. Mais elle a donné tout ce qu'elle peut. Hein. Elle est allée dans un garage, elle s'établi avec une tuque à sa tête, avec un manteau d'Hydro-Québec, puis un casse blanc. Puis là, elle est là. là tu sais, passer du. Euh, on, on la voit plus pantoute, à travailler dans un garage. Là, pour moi, le syndicat va débarquer n'a pas ses cartes de compétences. Non, mais, tu sais, des fois, on en met trop un peu, là. Tu elle n'a pas l'affaire dans un garage, à moins qu'elle soit vraiment une opératrice de. Une vraie, là, mais tu sais, elle ne vient pas de ce milieu-là, là. Hmm. La gorgée de café n'a rien à voir, c'est que je ne veux pas qu'il refroidisse. Je ne suis pas rendu encore à faire du cold brew. <laughs> Vous savez que le cold brew est inventé par euh, les parents de nouveaux enfants. Hein? Tu te prépares un café et finalement, mais tu me bois quand il est rendu froid. <laughs> <laughs> Mais non, c'est pas ça un cold brew, là. Un cold brew, c'est une fusée à froid je fais des blagues. Ben oui, euh, je sais pas si vous l'avez vu, le Googlez-la, là. Googlez là. Euh, Sophie Brochu. Hein? Sophie Brochu. Sophie Brochu. Il est venu le temps des cathédrales. Ah oui, elle est là, elle est là, elle est là. Hi, hein? Ben voilà, elle est rendue là. OK, j'étais là encore. Bon, voilà. Elle est là, Sophie Brochu. <laughs> Tiens, elle est passée de tout au rien. Elle dit Moi, je ne prends pas de chance. Vous voulez que j'aille sur le terrain Moi, y aller sur le terrain. Donne-moi une sac donne-moi un habit. Moi, y aller euh, expliquer ce qui se passe. Hein? Hey, le chaos à l'aéroport, c'est sûr. Hein? Il y a 200 millions d'Américains de, de, qui sont touchés par la température. Et euh, c'est sûr que c'est un avion ne part pas de la Guardia puis s'en venir ici, Ben, euh, il va être dans le trouble. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'écoute. Je ne sais pas s'il m'écoute ce matin, tu me salueras. J'ai rencontré euh, dans les haltes où ce que ça pue la pisse. <laughs> les haltes du Québec. Tu sais, Mettons, euh, j'ai fait Montréal-Québec, Québec-Montréal -Québec, euh, Québec -Montréal dans la tempête. Là. Fait qu'à un moment donné, après quatre heures de route, euh, t'arrêtes de faire une pause biologique. et là, t'arrêtes dans les places qui sentent le, le pire. Euh, fait que lui, il revenait de New York en auto, hein? euh, parce qu'il n'y avait pas d'aéroport, il n'y avait pas d'avion. Donc, c'est sûr que le bordel est pogné. Euh, moi, je pars demain. J'ai hâte de voir euh, comment le bordel va être pogné pour Cancun. Première fois que je vais passer la nouvelle année euh, euh, dans le sud. Fait différent. Hein? Une petite pause bien méritée. Hein? On a travaillé très, très fort, puis ça va nous permettre de recrinquer batterie pour relancer l'année euh, 2023. Euh, en feu. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Hein? Ah ben Montréal, euh, Montréal et le végétarisme. 5 des gens sont végétariens, mais Montréal veut que 100 de ses citoyens le sont. Donc, toutes les parties, maintenant, de Montréal vont être végétariennes. Ça fait partie du mouvement Good Food Cities. Hein? 22 des gens disent qu'ils mangent moins de viande. 22 disent aussi, dans ces 22 que c'est un drôle de chiffre, là, mais 22 disent justement qu'on mange moins de viande parce que ça coûte moins cher. C'est pas parce qu'on veut être végétarien. Hein? Puis, je ne suis pas contre le végétarisme, loin de là, je suis plus pour le flexitarisme. Donc, fait, on peut manger de la viande autant qu'on veut, mais si on a un choix de manger une autre protéine, bien tant mieux. Des autres protéines coûtent souvent moins cher, comme les pois chiches, épicerie à et puis ça sera 75$, ça vous dit quelque chose. <laughs> fait que seulement 5 de la population. T'sais, moi, le problème avec ça, c'est que tu vas-tu faire venir ton légume végétarien? Euh, du sud des États-Unis. Moi, je suis pour l'agriculture de proximité. L'agriculture où on respecte euh, la nature. Même on peut mettre de l'engrais chimique. À un moment, se battent même les grands défenseurs de la biologie des, euh, des légumes bio maintenant. laissent tomber ça. En France, il y a trop de légumes de, de fermes bio. Donc, il y a la, des conversions maintenant. Ça prend du temps à faire une ferme bio parce que ça prend de trois ans. Il faut aller sans friche avant de pouvoir le faire. Donc, oui, il faut faire attention à la terre. Mais le, 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 les engrais... Et les pesticides n'ont pas été inventés pour rien non plus. Il faut faire attention. J'en utilise presque pas. Là. Je ne suis pas un défenseur de tout ça, le moins de là, là. Mais euh, même je pense que j'en utilise même pas. Mon tournesol a poussé, il n'est pas bio, mais il a poussé tel quel. Hein? Fait qu on va le... Ça, c'est ce qu'on va faire au mois de janvier d'ailleurs, s'occuper du tournesol pour faire euh, commencer à extraire de l'huile. Donc, euh, mais c'est ça. Hein? Donc, Montréal va faire partie du Good Food Cities. On va servir que des choses végétariennes dans les parties maintenant, donc... Euh, mais Montréal fait des parties avec des sandwiches, des petits sandwiches. Et en parlant de petits sandwiches, hier, on est allé faire un souper chez la, dans le RPA de la grand-mère à Marilyn, et euh, la tante à Marilyn, elle avait apporté des petits sandwichs au jambon. Tu sais, les jambons hachés, là. Nous autres, on était pauvres quand tu était jeune on n'avait pas le droit, on n'avait pas d'argent pour ça. On mangeait du ballonné, puis quand je voyais là, ceux qui, euh, qui avaient ça, là, je capotais en tabarnouche. Hein J'étais comme jaloux d'eux autres que les gens pouvaient avoir euh, des sandwichs, de sandwichs au jambon. Vous arrivez dû me voir tomber là-dedans, vous autres, comme un, avec presque avec des larmes aux yeux. Un petit sandwich pas de croûte avec du jambon haché dedans, là. ça fait un job en tabarnouche. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Il y a un phénomène sur YouTube qui s'appelle « MrBeast ». Et Mr. Beast, j'ai été euh, tombé sur un reportage chez lui, Lui là, il travaille sur ses vidéos-là. 11 ans à 19 ans, là c'était euh, parce que là, il est successful parce que Gaël, ça l'impressionne beaucoup, les YouTubers, à succès. Et euh, ben, Mr. Beast, il gagne 136 000 par jour, 50 millions par année avec les revenus YouTube. Hein? Et ses vidéos, euh, lui, pendant de 11 ans à 19 ans, pendant 8 ans, il voulait être un YouTuber aussi, puis il a commencé petit. Il a regardé ce qui marchait. Lui, il a pris une autre approche. Moi, je fais des nouvelles sur YouTube. Non. je ne deviendrai jamais big comme Mr. Big. Jamais, jamais, jamais. Mr. Big, jamais. Ça n'arrivera jamais. Parce que lui, il étudiait qu'est-ce que 100 millions de personnes voudraient écouter. Et c'est ça qu'il fait, lui. Hein? Donc, pendant huit ans, comme jeune, il a étudié le, 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 les le. Et là, il le YouTube pour voir qu'est-ce que les gens écoutent. Il allait voir les vidéos qui pognaient beaucoup. Puis, il disait « Ok, parfait. » Donc lui, il fait exactement, un peu comme je vous dis, c'est un entrepreneur, il fait exactement ce qu'il faut faire, il vous donne ce que vous avez le goût de donner. Moi, je fais des nouvelles, là. on s'entend, quand je vais avoir 50 000 personnes sur ma chaîne, j'aimerais ça un jour, là, je suis rendu à presque 16 000, mais c'est le maximum que, que je vais avoir, là. je ne m'attends pas à ce qu'il y ait 10 000 personnes qui viennent. En 10 000, ce serait possible. Un jour, là, euh, si je continue... Ben, euh, je pense que ce serait possible, mais je m'attends pas à ce qu'il y ait un million de personnes qui viennent m'écouter à chaque jour. Ça n'arrivera jamais, 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 jamais. Mais bon, c'est pas mon objectif non plus. Et ben, ces vidéos, c'est intéressant parce que ça prend cinq mois. Chacun des vidéos que vous voyez de Mr. Beast, si vous ne connaissez pas Mr. Beast, je ne le connaissais pas beaucoup, je suis allé voir quelques vidéos. là Mais ça prend cinq mois, 1.5 million que ça coûte pour chacun de ces vidéos. Parce que là, bon, il était allé en Antarctique, en Antarctique, filmer, faut il faut qu'il y ait un avion, faut il faut qu'il y ait le déplacement, l'équipe de caméra, le montage, le thinking. Avant de lancer un, une vidéo, il pense, puis il regarde, OK, parfait, je pense que les gens veulent voir ça. Il bâtit, puis il parle de sa vie, dans le fond, c'est un entrepreneur, puis il dit, ma vie est, est plate, je n'ai pas besoin de cet argent-là, je ne travaille pas pour l'argent, je ne voulais pas être fameux. il y a 100 millions, 123 millions de personnes qui suivent, mais, euh, mais voilà, c'est quatre mois en moyenne, quatre mois, pour chacun des vidéos, et on peut le voir, quand on veut être entrepreneur, ben moi, ma vie, c'était toute ma vie, je voulais être entrepreneur, je suis devenu à 33 ans, ben lui, toute sa vie, il voulait être un YouTuber. Il a analysé pendant 8 ans. C'est long un peu, là. <laughs> c'est un petit peu long. Euh, lui, il se dit, écoute, moi, là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un livre et de la bouffe. Le reste, là c'est pas important pour le moment. Je, je remets tout dans l'entreprise. Il, il y a réinvesti tout l'argent qu'il a. Là-dedans, doit s'en mettre un peu de côté, là, bien évident, là. Parce qu'à chaque jour tu te lèves, tu as 136 000 qui est dans ton compte de banque. Comment ça est intéressant, maudit, là. Hein? Ben voilà, 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 voilà. Tout ça pour dire que c'est beau regarder les vidéos, mais si vous voulez réussir dans n'importe quoi, il faut regarder, moi c'est ça qui m'intéresse, ces histoires à succès-là, comment ils ont réussi à devenir des, 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 des stars planétaires. C'est la même chose, même à ma petite échelle, si je veux devenir euh, mondial, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À quel moment qu il faut que je perce? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rendre là? c'est ça qu'il faut faire. Hein? Finance! Le droit de décrocher. Hein? On, il y a plusieurs pays qui ont euh, voté pour ça. L'Ontario a, a dit ça, donc, à 9h et 17h, tu ne peux pas déranger quelqu'un par email. Euh, ici, on n'en a pas. Puis, tu sais, il, il y a la loi sur l'harcèlement aussi. Et, tu sais, c'est une question de respect, à un moment donné, de déranger les gens après les heures de travail. Est-ce que ça va venir, le décrochage? Le problème, c'est qu'on veut du télétravail. Mais le télétravail, est-ce que c'est tout le temps de 9 à 5? Des fois, les gens organisent leur horaire aussi. Donc, avec l'arrivée du télétravail, je trouve ça un peu touché. Maintenant, c'est une question de respect. S'il y a une urgence, euh, ben, c'est sûr que moi, je travaille avec ma famille, on peut se déranger, même si on essaie de ne pas le faire. Là. On s'excuse quand on se dérange le soir. Là. Mais l'Ontario vient de voter ça. Et c'est certain que, tu sais, même si tu as le droit de décrocher, puis tu dis Garde, je ne vous demande pas de répondre, mais tu dis à quelqu'un, mettons, à 7 heures le soir, Hey, viens me voir demain matin à 9h, euh, ça presse, il y a une urgence. Euh, je suis vraiment pas content de cette situation-là. Comment voulez-vous que la personne passe un beau une belle soirée? C'est fini, là. Donc, c'est le fait d'être ne pas envoyer. Il y a des serveurs en Allemagne qui bloquent les emails, hein? Donc, tu peux être poursuivi pour ça, donc euh, à suivre, là, mais euh, C'est certain, c'est une question de logique. Moi-même, si je veux démoraliser tout le monde une fin de semaine, j'ai pas besoin d'envoyer un email. J'ai juste arrivé le vendredi après-midi et dire... Passez un bon week-end, la gang! Toujours important, la gang. Hein? Euh... Lundi matin, revenez en forme, parce que lundi matin, on a un meeting sérieux et des changements à faire dans la, dans la place. Le week-end est scrap. Là. Pour vous donner un moyen email, je peux le faire. Je peux massacrer là, le, le, le week-end de n'importe qui comme ça, facilement. Là. Donc, euh, ben voilà. Hein? Ah, les SPAC. Taiga, Lyon Électrique. Je vais vous donner que ces deux-là. Lucid Motor, hein? Les SPAC, on a vu ça en 2021-2022, les Special Purpose Acquisition Company euh, qui ont vu le jour, ça permettait d'aller en bourse rapidement. Hein? Mais là, il euh, y a sept liquidations par jour, hein? entre quatre et sept liquidations à chaque jour. Parce que pour une SPAC, cette coquille vide-là, elle a deux ans pour trouver euh, une, une entreprise à investir. Et le problème, c'est qu'ils euh, sont là pour faire de l'argent. Ils s'en foutent du modèle. Taiga est là-dedans, Lyon aussi, ça a monté beaucoup parce qu'il y a un hype au début. Hein? On va faire ci, on va faire ça. Puis le modèle, il y a un fabricant d'autobus que j'ai oublié le nom. Lui avait dit regarde, j'ai zéro revenu en 2021, mais en 2024, 2024, je vais avoir 14 milliards de revenus. Ça hein? n'est pas arrivé. Là-dedans, il, il y a des taxis euh, volants aussi. Donc, toutes les entreprises que hype, on pensait que c'était pour aller là, ça ben, n'est pas être là. là. Fait, on n'est pas rendu là encore. Donc là, c'est un peu comme les REA. Hein? Donc, quand il y a trop un mouvement dans un nouveau moi, pas, outil euh, financier, ça a pris du temps quand même avec la SEC euh, à y s'emmêler et dire, regarde, on va régulariser ça. Donc là, en ce moment, les gens sortent de là le plus rapidement possible. Et ce n'était pas un bon modèle. T'sais, il faut que, si on veut, la seule chose qui peut avoir du succès à la bourse, c'est de ramener des revenus en augmentation croissante, en donnant un dividende croissant. Et tu ne peux pas partir avec un hype puis descendre. La seule personne que ça bénéficie, ce sont ceux qui étaient là au tout début et qui en profitent puis qui vendent dès que ça arrive en bourse réelle. Pour, euh, donc, euh, c'est un mauvais placement. C'est un mauvais. Et là, les gens sortent parce que ça n'a pas de mon sens. Donc, probablement qu'on va voir Taïga peut-être sortir de là. Lyon peut-être sortir de là aussi. C'est un désastre, littéralement. Hein? Euh, gros désastre. Euh, euh, ben, c'est ça. Il <laughs> n'y ben, a pas grand-chose financier, quand même. Insolite, vous allez aimer ça. Hey, vous connaissez la joke, hein? Euh, euh, des ponts qui sont un petit peu plus bas et que. Pis tu dis, personne ne me regarde, ne m'a pas assez pareil. Bien, le pont le plus heurté, le plus heurté au monde, il mesure seulement à ses pieds. C'est à Stonea, Road Bridge in Cambridgeshire. Euh, the most batch. Batch. <laughs> le pont est seulement à 7 pieds euh, d'un bord et 9 pieds de l'autre. Je ne sais pas pourquoi que. Mais les gens s'obstinent à vouloir passer. Fait qu'il est frappé à peu près à toutes les quatre jours. <laughs> des fois un petit peu, des fois beaucoup. Hein? Donc, euh, si c'est marqué, ça ne passe pas, ça passe peut-être pas. Moi, j'ai tout le temps la chienne quand je rentre avec mon camion, euh, le range. Je le bloque parce que la suspension se monte puis se descend. Et euh, j'ai tout le temps peur d'aller arracher. J'ai tout le temps la chienne. Tu te promènes, dit, maudit, tu maudit, j'ai une chance. Euh, mes chances de passer en dessous d'un pont comme ça sont assez nulles. Hein? Ah, les nouveaux shows de téléréalité, bon, vous savez que j'en ai participé à une coupe, c'est pas que je cours les téléréalités, c'est les téléréalités qui courent après moi. Mais moi, je suis en couple, donc je ne pourrais pas le faire. Il y a un nouveau show de téléréalité qui est en train de faire fureur euh, dans le monde. Singing in the name of love. Hein? Fait qu'il y a trois couples qui chantent de part et d'autre, et si jamais ils ont un match, euh, bien ils peuvent euh, se rencontrer après. Là. Donc pendant qu'ils chantent, mettons que moi je chante avec Marilyn, on s'entend que moi, participe à ce show-là. Mes chances sont nulles. Hein? Ils vont me dire certainement, sont où tes autres talents? Enfin, Marilyn les connaît, là. Mais, tu sais, il faut que je déploie rapidement mes autres talents parce que le chant n'est pas mal. Donc, c'est ça, tu chantes. Et là, si tu, ça match, là, tu peux dire, OK, parfait, on va, on va se rencontrer. Hein? Euh, je ne sais pas si ça va venir ici, là, Parce que le, les champions des télé-réalités Wordo, comme ça, c'est les Britanniques. Et la Corée du Sud. La Corée du Sud, ils poussent ça, ben, euh, my God, là, j'ai un blanc, là. J'ai un blanc. Euh, la grosse télé euh, euh, la plus populaire, my God, euh, Squid Game. Squid Game vient de la Corée du Sud. Mais là, y en, en ont trouvé un autre. Hein? Euh, wait for you. Hein? Wait, euh, le poids pour toi. Donc, dans le fond, c'est des hommes un peu en rond. Il faut qu'ils maigrissent au cours des jours précédents parce qu'il faut qu'ils rentrent dans un tunnel. Hein? Et euh, s'ils reste passé, ils vont rester coincés dans le tunnel. Et euh, s'ils traversent l'autre barbe, il y a 10 femmes qui les attendent, donc ils peuvent euh, choisir euh, dans le <laughs> lot. Mais s'ils restent coincés, ben c'est une femme qui, euh, qui... Dans les 10 femmes, ils vont regarder et ils vont dire Ok, oui, je peux aller te sauver, oui ou non. <laughs> J'essaie de trouver des images, je n'ai pas trouvé. <laughs> On aurait pu rire ensemble. Donc, euh, oui, c'est ça. Fait que si tu ne perds pas cette poids, il y a peut-être une madame l'autre bord qui va t'aimer plus pour ton argent, euh, peut-être. Hein? Ah, euh, vous savez, les baby moniteurs, ce qui rend fou les parents, là. Ça, puis les Angel Care, là, tu mets ça en tu ton bébé pour voir s'il bouge la nuit, là, ça te rend, rend fou, là. Les nouveaux parents, faites pas ça. mais ben, il y a un gars qui, euh, qui avait un, un moniteur pour le bébé, hein, pour l'entendre pleurer. Et euh, il, un moment donné, il est arrêté au bureau puis il dit, bon, écoutez, si mon petit bébé pleure, hein? Puis au lieu d'entendre euh, il a entendu nos bruits. C'était sa femme qui le trompait. C'était pas tout à fait le même, le même registre. Hein. C'était plus en SOL mineur au, euh, au lieu d'être dans. Bah, Peut-être en Si, hein? Peut-être en Si majeur. Je ne sais pas ce que je dis en ce moment, mais vous comprenez que <laughs> il est arrivé chez eux, mais il était un petit peu violent, là. Hein? Donc, il a pogné sa femme, il demande le divorce, puis euh, c'est parce qu'il est un petit peu violent euh, en même temps. Donc, un euh, hey baby monitor, les amis, là, hein? euh, ça amène juste de la marde. Fait qu'achetez-vous pas ça. Hein? Achetez-vous pas ça. Pensez de jour. On arrive à la fin de l'année, puis la fin de l'année, c'est aussi le moment où on fait des, euh, du ménage. Et euh, autant dans l'entreprise, vous êtes peut-être fatigué. On le sait qu'il y a beaucoup de gens d'entreprises qui, qui euh, ont un fardeau de dette. Euh, L'inflation est là. Est-ce qu'il va y avoir une récession, un ralentissement économique? Mais n'oubliez jamais, hein, quand vous avez débuté cette entreprise-là, quel, quel était le but? Hein? Même si c'est dur, hein, toujours se poser la question. Quand j'ai débuté, c'est quoi je voulais faire avec ça? Donc, euh, peut-être se reposer la question et voir avant de décrocher complètement, parce qu'on ne le sait jamais. C'est sûr que, est-ce qu'on va avoir des moments difficiles? On ne le sait pas. On ne le sait pas si on va avoir des moments difficiles, mais il faut s'accrocher et se souvenir, si le seul but était de faire de l'argent, vous en faites pas, ben décrochez rapidement. Euh, mais si c'était de bâtir quelque chose, d'avoir un purpose, ben peut-être continuer un petit peu. Hein? Puis on va voir, en autant que vous ne vous endettiez pas. C'est le mot, le mot d'ordre en 2023. Faites attention euh, aux dettes. Mesdames et Messieurs, du jour. Eh bien, l'année que je cherchais, hein? Summer of 69, ou Francine Raymond, hein? Francine Raymond, en 69, c'était tellement... un... Tout, tout, tout. comprenez que je ne peux pas participer à l'émission de télé-réalité que je viens de vous présenter, ben, il y a eu 37,8 cm de neige en le 27 décembre 1969. Hein? À Montréal, c'était énorme Dans certaines régions du Québec, vous allez vous de gagne de Montréal, c'est rien, ça. Peut-être, mais à Montréal, c'était beaucoup. J'avais deux ans dans ce temps-là, m'en souviens pas vraiment, pas vraiment. Eh bien voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. Euh, puis on se reparle un petit peu plus tard dans la journée. N'oubliez pas, je ne vais pas demander de faire un like encore, donc euh, c'est pas fait. Merci de le faire. Merci de vous abonner et bonne journée.